Andy, très difficile ce soir, vous meniez 2-0, vous avez eu cette chance en fin de première mi-temps et finalement vous vous inclinez par 3-2. Ouais, c'est un match un peu bizarre, on a l'impression que voilà, on est dominé, on a deux occasions, on marque deux fois et derrière ça pousse. On l'a vu, hein, c'est une belle équipe qui est dangereuse, surtout sur les côtés, ça va vite, avec des joueurs de talent et voilà, on... Ce qui est dommage, c'est qu'on prend ce but sur un coup de pied arrêté qui est évitable. Où, voilà, c'est assez frustrant, mais bon, c'est le premier match et c'est une belle équipe de Marseille. Vous êtes confiant quand même pour la suite de la saison pour Montpellier. Vous avez quand même montré. Vous êtes confiant quand même pour la suite de la saison pour Montpellier. Sûr, vous avez montré des belles choses. Ça, c'est une belle équipe. Hein. On verra que voilà, on prend pas d'entrée une équipe facile et voilà, on va essayer de garder les points positifs et rectifier ce qui est pas allé. Merci beaucoup, Andy. Félicitations, l'OM est renversant, on peut dire ce soir. Ouais, c'est le mot. On a eu paradoxalement une très très bonne première mi-temps où on a très bien joué, où on a maîtrisé le ballon et on prend deux buts coup sur coup sur des fausses actions. Derrière, on n'a pas baissé les bras, on a continué et on est remonté, on est revenu au score. Dim a fait un gros match, l'équipe a fait un gros match. Et c'est tout ce qu'on souhaite et ce qu'on espère pour cette saison. Ça veut dire qu'on va avoir un OM très spectaculaire à l'image de ce que veut Georges Sampaoli cette saison. Oui, quand ça se passe dans ce sens-là, c'est beau. Donc c'est bien, on marque beaucoup de buts. Maintenant, il faut réussir à être un peu plus solide derrière et à continuer à enchaîner comme ça parce qu'il y a de très bonnes choses malgré tout. Merci Steve. Merci. À bientôt.